et je remercie l'Assemblée. Ici, nous sommes représentés au nom de Mme Yohou Nathalie qui vit présentement en Allemagne. Alors, Yohou Nathalie, elle est la présidente de Wally Gribert, c'est une association d'entraide qui fait le développement des villages. Bon, Wally Gribert a été créé il n'y a pas trop longtemps, mais nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Alors, nous sommes aujourd'hui ici parce que Wally Gribert, Kémé Ibazo, est membre de Wally Gribert. Il est membre actif de Wally Gribert. Donc, on ne peut pas comprendre que Kémé Ibazo fait sa soirée de dédicace et puis Wally Gribert ne soit pas présent. Ce n'est pas normal. Donc, la présidente nous a chargé de venir ici pour saluer son artiste préféré qui est Kémé Ibazo. Alors, Madame Yohou Nathalie, vous avez vu l'accoutrement de l'artiste. C'est Madame Yohou Nathalie qui a financé, qui a habillé l'artiste Kémé Ibazo. Elle est partie en plus donner une voiture 4x4 forte, une voiture marque forte, climatisée à Kémé Ibazo. Ça veut dire que. Applaudissez ça! Il n'est pas venu en taxi comme le font les autres. C'est tous des artistes de valeur, hein. Mais c'est vraiment des renommées. Alors, elle a décidé comme ça de mettre à la disposition 4x4 climatisé à son artiste préféré. Et vous voyez tous ces accoutrements. Vous voyez, il y a des délégations qui sont venues de San Pedro, Miyagi, un peu partout, des Gagnois, un peu partout, pour représenter Wally Gribert. Et donc, elle n'a pas fini. La présidente de Wally Gribert, Mme Yohou Nathalie, oui, ça c'est Wally Gribert, a donné ici, $20,000 au comité d'organisation. $20,000 au comité d'organisation. Au comité d'organisation et elle est partie encore dit l'aigle désiré. C'était un homme à part entière. Vous savez que tous les artistes de Gore puis partout, quand ils chantent l'aigle désiré, c'est lui l'arrangeur principal. Il a dit il ne peut pas partir en taxi, il ne peut pas partir à pied, il faut qu'il parte en taxi. Donc, $20,000 pour l'aigle désiré. S'il est là, $20,000 pour l'aigle désiré. Et puis, une enveloppe de $80,000 pour l'artiste. Et puis, vous savez que Wally Gribert est représenté ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont en diaspora, c'est la trésorerie qui se trouve en Côte d'Ivoire, qui est ici représentée par mademoiselle Diolo Adélie. Ici présente. Alors, on a dit comme ça, Wally Gribert, on ne peut pas aussi laisser l'artiste Kémé Ibazo
Donc, une petite modique somme de 10 000 francs que les représentants de Côte d'Ivoire offrent à M. Kevin Bazo, notre artiste préféré. Vous savez que il y a aussi une de nos soeurs de Wally Gilbert qui est Rat Vichy. Elle donne une somme de 20 000 francs à Kevin Bazo. Alors, je termine pour dire que Yohou Nathalie, elle est de Gribon, Gribon Drayo, et elle a mis ce mouvement en place pour que tous ceux qui sont du Gord, ceux qui parlent le pété, ça dève. Pas pété seulement, hein. Si tu es de Issia, si tu es de Dalois, si tu es de Gagnois, si tu es de... Même Baoulé, parce que ça fait partie du développement. Voilà comment on dit, Wally Gilbert, c'est une entraide, c'est le développement. Par exemple, on arrive dans un village, dans une classe, il n'y a pas de table banc. Wally Gilbert se réunit tout de suite, ils font le point, ils font la totalité de ce qu'ils font les bancs, et puis Wally Gilbert met tous les bancs en place dans une classe. C'est une plateforme de solidarité. Voilà. Donc, je pense que tous ceux qui sont du Gord, tous ceux qui sont du Gord et tous ceux qui résident à Abidjan et banlieue peuvent adhérer. L'adhésion pour la Côte d'Ivoire, 2000 francs et 1000 francs par mois. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce que la présidente a fait pour l'artiste Kevin Bazo. Merci beaucoup. Okay.